Bonjour mes beaux et bonjour mes beautés. Aujourd'hui, je suis très contente parce que il y a quelques minutes que j'ai fait une cours en ligne sur le Skype avec un homme. Et vous savez, sur ma chaîne YouTube, il y a 17% de vous qui sont des hommes, mais ils étaient toujours cachés. J'ai pas eu beaucoup de messages, des commentaires des hommes. Et maintenant, ils ont commencé un tout petit peu à sortir. Et j'ai déjà quelques-uns qui ont commencé à faire un programme bien fait. Et avec cette personne qui j'ai eu maintenant le cours en ligne, il a commencé déjà 4 jours un programme basique et déjà il a des résultats après 4 jours. Mais vous savez, les hommes, les femmes, ils sont courageuses, mais les hommes aussi, ils sont courageux. Alors, parce que lui, il m'a dit, voilà, avant 40 ans, j'étais un homme, mais après 40 ans, j'ai commencé à avoir du double menton, de la poitrine qui monte, et j'avais l'impression que je suis une femme. Et voilà, nous, on a commencé le travail maintenant, et je vois qu'il a déjà des résultats après 4 jours, mais c'est formidable. Allez, les hommes, venez travailler avec nous, parce que vous avez les mêmes muscles que nous, vous avez besoin aussi de vous sentir bien dans votre peau, dans votre corps, après 40 ans, après 50 ans aussi. Et voilà, pour ça, je suis très contente et j'encourage tous les hommes. Aujourd'hui, je veux répondre à une autre question. En fait, je veux reprendre cette habitude de répondre à vos questions avec les vidéos parce que c'est plus compréhensible et je vois beaucoup de vous qui sont contents. Et alors, voilà, je vais faire ça. La question, c'est sur le programme avancé. Il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille maintenant sur le programme avancé parce que vous savez, je vous conseille beaucoup de commencer avec un basique, sinon vous n'allez pas avoir des résultats. Le programme avancé, c'est un peu spécial. Le programme avancé, c'est déjà pour les personnes qui ont compris ce qu'ils doivent faire, qui ont compris que la beauté et la jeunesse du visage, c'est dans notre main et aussi dans notre tête. On doit combiner les deux, le mental, notre subconscient et nos mains. Notre état positif quand on travaille, notre rêve d'avoir le résultat qu'on veut. Parce que si vous allez travailler mécaniquement qu'avec les mains, sans toucher les autres parties que je vous avais dit maintenant, la réussite, ça ne va pas être pour longtemps. Vous allez avoir une petite réussite, mais après, de nouveau, ça va revenir. Il faut que toute cette partie travaille. Il faut que vous ayez le rêve. Il faut que vous rêviez votre visage. Il faut que vous ayez confiance dans ce que vous faites. Il faut que vous ayez une énergie positive quand vous faites ça. Ça va vous aider vraiment pour un bon résultat. Alors, réponse aux questions. Programme avancé. Alors, programme avancé, c'est différent que le programme basique. Et là, je vais répondre concrètement à la question de Céline sur l'exercice numéro 1. Mais il y a plusieurs personnes en fait qui m'écrivent. J'ai répondu à tout le monde par email, mais je vais faire cette vidéo aussi. Alors, l'exercice numéro 1 du programme avancé où on travaille, il s'appelle le visage entier. Ouais. Et là, on a la vidéo, l'exercice dure environ 35 minutes. Voilà. Première chose importante. Ce n'est pas obligatoire de faire 35 minutes d'un coup, d'accord? Mais c'est un tout petit peu différent que le programme basique. Le programme basique, vous pourrez faire par exemple 3 minutes, 5 minutes et pendant toute la journée parce que vous avez des différents exercices, ok? Ici, dans le programme avancé, c'est un tout petit peu autre chose, c'est un autre concept. C'est bien de faire tout dans le même temps, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez couper en deux, par exemple, d'accord? La vidéo. Vous pouvez le faire tout d'un coup, c'est encore mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Dans l'exercice numéro 1, on a la partie où, pour Céline, c'était le problème, dans laquelle on travaille avec cette position, dans laquelle on travaille l'angle de la mâchoire, on travaille la mâchoire. Alors, Céline dit qu'à chaque fois qu'elle fait cet exercice, quand il pose les coudes même s'il pose les coudes sur la table, il sent les douleurs sur les cervicales. Maintenant, Céline, regarde bien ce que tu fais. Alors, on a dit on pose les coudes sur la table pour notre technique de sécurité, pour ne pas contracter les cervicales. D'accord? Alors, tu poses les coudes sur la table. Et le menton va vers la poitrine, pas vers la poitrine, vers la gorge ici. Ça, c'est une posture correcte. Mais si tu vas faire ça,
ça, les coudes sur la table, mais tu vas amener un tout petit peu le menton vers l'avant. Voilà, j'espère que vous voyez. Si vous amenez un peu le menton vers l'avant, voyez la différence? Ça, c'est l'erreur. Parce que vous allez amener un peu le menton vers l'avant, vous allez contracter les cervicales. Cette position, ce n'est pas bien du tout. Bien sûr que là, vous allez avoir plus de la force dans les mains et vous allez sentir plus le poids de la tête sur votre main, ce qu'on a besoin de faire en fait pour avancer dans cet exercice. Mais si vous êtes comme ça veut dire que c'est pas bien. Et cette position, ça nous fait encore plus mal. Alors, Céline, regardez, on va, pour ceux qui ont mal au cervical, pendant que vous faites les exercices, quand même, vous posez les coudes sur la table et vous avez quand même la douleur du cervical, pendant l'exercice ou après l'exercice, ça veut dire qu'il y a une contraction ici. Et nous, on a deux moyens pour éliminer cette douleur, cette contraction, je vais vous dire aujourd'hui. Première, ce qu'on va faire, peut-être, vous allez remplacer cette position de la main, parce qu'avec cette position de la main, on est d'accord, vous savez déjà, on travaille avec cette partie, oui, avec cette partie. Mais pour bien placer, vous êtes obligé à faire ça. Voilà, et ça, c'est pas bien. Alors, nous, on va remplacer, on va travailler avec cet endroit. Vous allez poser les mains comme ça, les coudes de nouveau sur la table, et au long, vous voyez, au long du mâchoire, vous allez placer vos doigts. Regardez. OK? Au long de la mâchoire. Là, pendant l'exercice numéro 1, ce qu'on fait, je ne vais pas poser les mains parce que vous ne me voyez pas, mais imaginez que mes coudes sont sur la table. Et dans cette position, vous allez, dans cet exercice, on reste 10 secondes. Oui, après 10 secondes, on doit faire ce mouvement, le mouvement dans lequel on perce. Après, de nouveau 10 secondes et après le mouvement dans lequel on perce pendant 5 secondes. Et après, de nouveau, on commence à avancer. Et là, vous voyez, si je descends, mais je peux amener un tout petit peu les mains à l'intérieur. Vous voyez? Il faut qu'on prend l'angle de la mâchoire. L'angle de la mâchoire. Et dans cette position, voilà. Le menton descend un peu et là, on ne va pas du tout contracter les cervicales. Vous pouvez amener un tout petit peu le corps vers l'avant. Pas le menton, mais tout le corps, tout le dos un peu vers l'avant. Et vous allez voir qu'en faisant avec cette position, ça va être plus facile de ne pas contracter les cervicales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième variante, il faut que vous posiez les têtes. Alors, les personnes qui ont des douleurs pendant que vous faites le programme avancé et vous avez des douleurs au niveau cervical, avant de faire le travail, avant de commencer les exercices, vous mettez les tapes sur le cou, sur les cervicales. Comment vous allez les mettre? En fait, vous allez mesurer la longueur de votre cervicale. Vous allez mesurer et vous allez poser le tape à partir de la nuque, d'ici, à partir de la première vertèbre. Vous pouvez descendre sur la septième vertèbre, mais aussi vous pouvez descendre sur les trapèzes. OK? Mais faites attention, regardez, d'abord vérifiez l'exercice que vous avez à faire, parce qu'il y a des exercices dans lesquels on masse, on doit masser, on doit faire la palpation profonde, et là, vous ne devez pas avoir les tapes. Dans ce cas, vous pouvez mettre les tapes après l'exercice, OK? À quoi ça va nous aider les tapes? En fait, les tapes, vous savez qu'ils vont relâcher notre muscle. Ils vont relâcher le muscle et pour ça, la tension sur les cervicales va diminuer, OK? Alors, posez les tapes. Si dans cet exercice, par exemple, pour aujourd'hui, vous n'avez pas le travail avec les mains derrière, déjà, vous posez le tape avant de commencer l'exercice. Si vous avez l'exercice dans lequel vous travaillez avec les mains, vous les placez après. Okay? Attention, n'oubliez pas, les tapes, il faut les placer sur la peau bien propre. Pas de l'huile, pas de crème, rien du tout. D'accord? Sur les tapes, vous savez que je travaille maintenant, j'ai encore ma formation que je n'ai pas finie. Mais après que je vais finir la formation, je vais vous faire vraiment un programme extraordinaire qu'avec les tapes. Pour l'instant, vous l'utilisez là où je montre, dans les vidéos, dans le programme avancé. Vous avez déjà les tapes que vous utilisez?
Alors, vous savez déjà comment les mettre, ok? Et avec la même technique qu'on le fait sur le visage, vous les mettez sur les cervicales. Ok, ça, c'est deux petits changements que vous pouvez faire dans la position. Il y a encore le troisième. Le troisième, c'est être allongé. Dans le programme avancé, il y a beaucoup d'exercices qu'on peut les faire allongés. Okay? Je parle du programme avancé, attention, pas le programme basique. Dans le programme basique, c'est vraiment autre chose. Sur le programme avancé, on peut travailler allongé, pas avec tous les exercices, mais il faut l'adapter à vous. Essayez, par exemple, à partir de demain, essayez de faire votre exercice allongé, ce qui c'est possible, les exercices que vous pouvez l'adapter. Pourquoi? Pour pas contracter toujours les cervicales. Alors, si par exemple vous n'avez pas de problème, vous ne contractez pas les cervicales, vous arrivez bien à comprendre, là c'est vous continuez à faire ce que vous faites. Mais pour les personnes comme Céline qui ont toujours qui sentent la nuque contractée, les cervicales contractées, essayez de faire première chose, de changer, d'adapter un peu avec une autre partie du membre. Dans cet exercice, on a dit on va le changer avec cette position de la main. D'accord? Deuxième chose, mettez les tapes avant ou après l'exercice, l'exécution de l'exercice. Et la troisième chose, essayez de le faire allongé. OK? Mais sur allongé, je veux vous faire quand même quelques vidéos pour vous adapter plus des exercices allongés sur le dos. Je vais faire les vidéos et je vais vous les montrer sur YouTube, ok? Mais sinon, peut-être parce que moi j'ai toutes les mails sur les personnes aux personnes qui ont acheté le programme avancé, je peux vous envoyer cette vidéo. Je vais les envoyer directement sur le mail. Je pense qu'on va faire comme ça parce que sinon les autres, si je veux le mettre sur YouTube, les autres qui n'ont pas les programmes, ils vont pas comprendre de quoi je parle, ok? Alors on va faire comme ça. Je vais essayer d'adapter plusieurs exercices sur le programme avancé, allongé sur le lit, et après je vais vous les envoyer par email. Ok? Voilà, j'espère que vous avez compris un tout petit peu de quoi je parle. Sur le programme avancé, on va faire une live, mais pas tout de suite, peut-être le mois prochain. Mais si vous avez des questions, parce que le programme avancé, c'est spécial, c'est un programme vraiment très intense et c'est un programme qui doit avoir des résultats 100%. Ici, il y a personne qui ne doit pas avoir des résultats, c'est tout le monde. Alors, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, écrivez-moi, je vais essayer de vous faire des vidéos pour vous expliquer, voilà, comme aujourd'hui. D'accord? Allez, je vous fais un grand, 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 grand sourire. N'oubliez pas cet exercice très important. Le sourire tous les jours n'a pas l'importance si vous avez envie ou pas. Et n'oubliez pas que le bonheur se trouve à l'intérieur de vous. Voilà les filles, je vous remercie de tout mon cœur. Je vous remercie que vous êtes avec moi. Je vous remercie pour tout votre pouce bleu parce que c'est très important pour moi. Allez, ciao et on se voit demain.